retrouver pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble le papier foil donc qui s'utilise avec la machine Mink. Mais moi comme je ne l'ai pas, j'ai trouvé une alternative. Donc là ça va être avec des produits Action. Donc j'ai pris de la colle Action, colle liquide. J'ai déjà essayé un petit peu avant. Donc j'ai utilisé une plaque embossage cœur de chez Action. Et donc j'ai embossé ma page et ensuite j'ai mis de la colle donc sur les cœurs. Donc c'est pas parfait mais ouais, c'était juste un essai. Et ensuite j'ai posé donc ma feuille comme ceci. Et puis faut bien frotter tout partout. Ensuite vous décollez et ça vous donne voilà les cœurs en rouge foil. Donc je vais vous montrer ça. Alors donc vous mettez de la colle sur votre cœur. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, sachant qu'on va ensuite mettre notre feuille et aplatir. Donc moi tout simplement je laisse sécher un tout petit peu. Ensuite je prends mon morceau de feuille, donc vous coupez un petit morceau et vous le posez donc sur le cœur. Vous tapotez un petit peu et ensuite vous frottez. Et ensuite vous retirez. Donc voilà, ça donne ça. Si ça vous voulez que ça soit plus rempli, vous repassez votre feuille comme il y a encore de la colle et vous frottez. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu plus rempli. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir la machine pour, bah, pour utiliser les feuilles foil. Donc là, je vais utiliser du double face que je vais mettre sur mon petit embellissement étoile. Donc voilà ce que ça donne. Pas besoin d'avoir la machine pour, bah, pour utiliser ce type de produit. Il faut surtout de la colle forte. C'est une colle liquide de chez Action. Et puis vous voyez, avec le double face de chez Action, ça fonctionne parfaitement avec ce genre de feuilles. Donc là, voilà pour le petit test. Donc voilà, je voulais vous présenter une carte que j'ai faite donc pour vous montrer les feuilles foil donc sans machine. Et puis donc j'ai inséré mon étoile couleur or et la rouge juste là. Et j'ai fait deux bandes au centre
Donc là, pareil, j'ai utilisé du double face et ensuite j'ai posé ma feuille donc côté or par-dessus, comme ceci. Ensuite, vous frottez bien et donc vous enlevez votre page et ça donne ce résultat-là. Ensuite, j'ai mis de l'encre verte Glimmer Mist et puis quelques gouttes orangées. Donc sur ma carte, j'ai rajouté du Nuvo, donc celui-ci, donc un petit peu partout. Le tampon est un tampon de comptoir de scrap. Et donc l'encre, c'est de la Distress rouge. Ensuite, le petit lama, c'est un stickers de chez Action. Cette planche-là, qui est trop trop belle. Donc voilà une carte très simple, mais voilà, pour vous montrer l'utilisation du papier foil sans, bah, sans la machine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Scrapez bien. Ciao!